Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aurélien du laboratoire crohn Ceram et aujourd'hui, on va voir ensemble la pose d'un implant grâce à un guide chirurgical. Alors, cette vidéo s'adresse aux praticiens qui ont l'habitude de poser des implants mais qui aimeraient découvrir ce protocole, l'utilisation d'un guide chirurgical, et également aux praticiens qui n'ont pas encore posé d'implant et qui aimeraient profiter de ce protocole pour poser leurs premiers implants grâce à une technique qui est très prédictible. Nous allons donc voir un cas clinique et dans ce cas-là, le patient s'est présenté au cabinet du praticien avec une fracture radiculaire sur la 14 et euh, le praticien a donc posé son diagnostic et il a été décidé d'extraire la dent et de poser un implant à l'aide d'un guide pilote. Pour un cas comme ça, lorsque c'est votre première pose d'implant avec un guide chirurgical, on vous recommande de faire les choses très simplement et de nous laisser faire la planification implantaire et le design du guide. Euh, ça veut dire que vous avez juste besoin de nous envoyer les données Conebeam et euh, l'empreinte et et derrière, on peut faire la planification et le design du guide. Donc, vous n'avez pas besoin d'équipement supplémentaire. Nous faisons alors la planification implantaire en laboratoire et nous vous envoyons une vidéo d'acceptation. Alors, cette vidéo elle reprend trois points clés. Le premier, c'est la superposition euh, du scan de surface et du CBCT. Euh, le deuxième, c'est le dessin du nerf, et le troisième, c'est les différentes différentes vues de la position de l'implant. Une fois que vous acceptez cette vidéo, on peut procéder à la fabrication du guide. Et si éventuellement vous n'êtes pas satisfait, on peut refaire une vidéo, vous faire une autre proposition, euh, et vous pouvez également avoir un appel en, en direct en teamviewer avec notre responsable planification. Comme ça, vous pouvez donner vos consignes en direct. Nous fabriquons alors le guide chirurgical et nous vous envoyons trois éléments. Euh, le guide chirurgical évidemment, euh, le rapport de planification avec différentes vues de l'implant dans l'os et de la densité osseuse autour de l'implant, et le rapport de forage, donc la séquence de forage qu'il faudra suivre pour poser l'implant. C'est donc ce que nous avons envoyé au praticien. Euh, son assistante a pu procéder à la stérilisation du guide chirurgical de manière classique et elle a également pu préparer la séquence de forêt grâce au rapport qu'on leur a qu aura envoyé également. Euh, à ce moment-là, l'opération peut commencer. Voilà, donc le praticien peut euh, commencer par l'anesthésie pour ensuite essayer le guide chirurgical. Donc vous voyez des petites fenêtres, des petits trous euh, au, autour du guide qui servent à vérifier son bon positionnement. Le praticien procède ensuite à l'incision pour préparer, pour faire les lambeaux. Et il peut mettre en place le guide chirurgical pour pouvoir passer le premier forêt, le forêt pilote. Donc dans ce cas-là, le praticien a choisi euh, un guide pilote, donc il va uniquement passer le forêt pilote et non pas toute la séquence de forêt. Euh, ça, c'est une euh, les, les voilà, les différentes options existent. C'est à vous de choisir celle qui convient le mieux à votre activité. Donc là il peut retirer le guide, faire sa vérification. Euh, du logement implantaire avant de continuer avec euh, les forêts intermédiaires. Donc, le praticien peut passer le forêt terminal. Et il peut ensuite visser l'implant. Alors là encore, il aurait pu le faire à travers euh, le guide chirurgical s'il avait choisi la chirurgie guidée complète. Euh, encore une fois, les différentes options existent. C'est à vous de voir laquelle est la plus adaptée euh, à votre activité. Et dans la radio de contrôle, on peut voir la position optimale de l'implant. Voilà, alors cette chirurgie aura duré moins de 15 minutes, suture et anesthésie comprise. Euh, le retour du patient est excellent. Il a dit qu'il a adoré la rapidité de l'opération euh, et l'absence de douleur. Et lorsque j'ai demandé au praticien son ressenti, il m'a dit, c'est très simple, en trois mots, tranquillité, sécurité et rapidité. Pour conclure, euh, la chirurgie guidée a permis au praticien de faire la pose d'implant. Très rapidement, très sereinement, grâce à la planification qui est faite en amont. Euh, et le patient, en plus, a beaucoup aimé le fait que ce n'était pas douloureux et que c'était particulièrement rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine, on va parler des euh, multiples possibilités qu'offre euh, la prise d'empreinte optique. Euh, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.